je suis naturellement content. Je suis content d'avoir remporté le premier prix. Mais en même temps, je suis content pour l'équipe. Il y a eu 16 candidats, donc 16 projets. Ce qui voudrait dire que ça bouge en termes d'innovation en Afrique et que les jeunes Africains sont réveillés et qu'ils veulent apporter leur pierre à l'édifice. Parlez-nous de votre projet. Qu'est-ce qui fait sa particularité? En quoi consiste-t-il d'ailleurs ce projet? Est-ce que vous pouvez nous le résumer? Notre projet, c'est une batterie écologique qui stocke de l'énergie. Alors, jusque-là, comme je l'ai dit, notre sérieux problème, c'est le stockage d'énergie. Et on apporte une batterie qui a la capacité de vous stocker de l'énergie sur une bonne période, en un temps record. Et donc, là, est-ce que vous l'avez déjà, commercialisé et, où est-ce que vous en êtes, en fait, après cette invention-là? Notre technologie, il faut dire qu'elle est brevetée par l'OAPI, certifié par l'ICE, donc on est en phase de préparation des premiers produits pour les mettre sur le marché. Donc très bientôt, vous les aurez sur le marché. Quand vous irez à Berlin, vous serez en compétition face à d'autres inventeurs, d'autres continents qui certainement peut-être ont plus de moyens. Comment vous appréhendez cela? Bon, c'est vrai que certains pays ont suffisamment de moyens. Mais en termes d'innovation et de création, ce n'est pas en premier lieu les moyens. C'est l'idée d'abord. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel problème on règle? C'est d'abord ça. Donc si je vais à Berlin avec mon produit, s'il y a mon produit, il est très pertinent, je pense que je vais gagner à Berlin.